Bonsoir, messieurs, dames. Cette vidéo sort de l'ordinaire, comme vous le voyez. Ce n'est pas du tout le décor habituel. Si ça commence comme ça, ça va vraiment être génial. Le bégaiement, c'est super. On est dans le décor de ces gentils messieurs qui m'accueillent et que je vais laisser se présenter. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci d'être venu. Romain, Invest Collect. Je ne connais pas trop Yugi, mis à part quelques petites séries. Moi, mon domaine, c'est plutôt Pokémon, donc on partage, on échange et on redécouvre des choses ensemble. Et moi, c'est David, Invest Collect aussi. Mon domaine, c'est pas trop Yugi, ni Poké. Moi, je suis plus Magic, mais je kiffe. Bah, Yugi, c'est les souvenirs. Hein. Exactement. On l'a tous eu dans la cour de récré, on a regardé des dessins animés. Le dessin animé à balle. Exactement. Moi, j'ai tué sur GBA. Ah, la GBA que j'avais gagnée dans un paquet de céréales. Quoi? Oui. Il y a vraiment des gens qui gagnent les concours sur les paquets de céréales, du coup? Bah, voilà. Extraordinaire. Avec le petit code qu'il y avait à l'intérieur. Mais non. C'est trop bien comme histoire, ça. Bon, en tout cas, messieurs, dames, comme vous le voyez, on est réunis entre fans de cartes à jouer. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, là, ça, c'est un truc de malade. Là, une ouverture comme ça. Déjà, je pense qu'elle est unique parce que personne va réunir ces deux boîtes. La première boîte, qui est en française, qui est une tin de 2003-2004, 2002, 2003, 2004. Je vous laisse choisir, vous décidez. En français, celle-ci, pareil. Mais celle-ci est en anglais. Ça, c'est une tin exclusive en anglais qu'on n'avait pas eu en français. Celle-ci, c'est à moi. Celle-ci, c'est aux garçons. Ils ont accepté d'ouvrir celle-ci. On ouvre donc les deux. C'est complètement fou ce qui va se passer. Parce que dedans, on a déjà une belle carte promo, ici le dragon blanc aux yeux bleus notamment, et on a surtout plein de boosters, 5 boosters ici, 5 boosters là, et les boosters les gars, ah là, vous voulez du old school, vous voulez du shot de nostalgie, c'est du old school. Là, du petit maître des magies, du petit serviteur du pharaon, là, si on pouvait choper Jinzo là-dedans, oui, et Jinzo, avec là. Son gros cerveau là, oui, Jinzo, on casse tout, oui, clairement, je sais pas quoi vous dire d'autre en fait, parce que ça, moi, une boîte comme ça, perso, j'en ai jamais eu en main. J'en vois très rarement sur internet, donc déjà bravo d'avoir ça les gars. Merci d'accepter de l'ouvrir, c'est vraiment un honneur. Pareil, ça se trouve que aux États-Unis, c'est très chiant à trouver, ça c'est cher, c'est tout ce qu'on veut. C'est un moment de privilégié qu'on vit et qu'on va essayer de vous transmettre au mieux. Puis on espère que vous allez kiffer. C'est bien de se faire plaisir de temps en temps. Là vraiment, là on va se faire plaisir. Là c'est une méga dose de kiff. Hein. Ce qu'il faut espérer aussi, c'est que les cartes promo sont en bon état. Parce qu'elles sont pas courantes, hein. Les cartes promo comme ça, elles sont en bon état, c'est cool. À l'époque, elles bougeaient beaucoup dans les boîtes. Donc peut-être qu'il y aura des petits défauts. On va voir. Moi je vous propose de commencer par la vôtre. Moi je vais pas me faire prier, je vais l'ouvrir immédiatement. Fais-toi plaisir. Je n'ai jamais ouvert une tin Yu-Gi-Oh de ma vie. C'est une première. Et tu sais ce qui est fou, c'est que des boîtes en métal comme ça, on en a tous chez nous, des vieilles tins et tout. Oui. Alors des sous cellophane encore. Oh là 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 là. Oh c'est beau. Ah ça fait plaisir quand même. Oh ce chevalier épais. Et un détail les gars, mais alors une boîte comme ça, elle n'est pas rouillée. Ouais. Ouais, c'est vrai, parce exact. Que moi, chez moi, toutes mes vieilles boîtes, elles sont rouillées. Elles sont rouillées avec le temps. Là, elle est parfaite. C'est vrai que t'as pas un point de rouille. Ah ouais. C'est somme toute une bonne indication d'une conservation. Ouais, je sais pas, on voit, mais il y a des petits pets. C'est pas sur le plastique? Je crois pas. Non. Mais tu vois, ça, je trouve qu'elle est déjà mieux. Je crois que l'anglaise se balade encore un peu plus. Parce que là on voit, il y a des petits pets dans les coins. Là, il est complètement éclaté. Ça se balade avec le temps. Vous voulez qu'on la sorte ou pas? On va la sortir, oui. On va la sortir. Qu'est-ce qu'il est beau, le bon Yugi! Non, c'est bon, il n'y a pas de pointe de rouille. Ça va. Et alors la surprise, on ne sait pas. Parfois, il y avait une petite chance pour que le Maître des Magies soit en première édition. Ok. Ah ouais? Ah ouais. Donc cool. On ne sait pas, on n'est pas sûr de ça. Donc on va voir. Un premier, puis un deuxième. Voilà, on a faire deux sanctuaires ancestrales. Ça là. Serviteur du pharaon. Un petit serviteur du pharaon, où on peut avoir Jinzo, notamment. Ah, si on pouvait avoir Jinzo. Extraordinaire. Un deuxième. Regarde ces vieux packs là, avec la grande... Long crimp. Ouais. Crimp, c'est vrai que tu m'as appris le mot. Et non, il est pas en première édition. Non, ça sera l'unième. Mais c'est pas grave, c'est quand même bien quand même. Je vous le dis déjà maintenant, on vous en reparle à la fin de la vidéo. Dans la description, évidemment, il y a les liens de tous ces messieurs, leurs réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. Mais surtout, il y a le lien d'une autre vidéo qu'on a tournée avant, où on ouvre pareil, une folie. Est-ce qu'on l'artise ou pas? Il y a légende dedans. Il y a légende, ouais, il y a le mot légende dedans. Et puis, c'est pas qu'un seul booster, on va dire. Voilà, c'est un beau. C'est la première édition, je crois. Et puis, c'est la première édition. Voilà, là, ça, voilà. Ça fait beaucoup d'indications. Sur ce, je commence. Je te dirai dans on chaque question. Un de chaque comme ça. Allez, je vais commencer par celui-là dans ce cadre. Alors, sanctuaire ancestral. Sanctuaire. Il y a une carte qu'on veut avoir. Ouais. C'est pas les secrets rares. Il y a une ultra rare qui est beaucoup trop forte. Contrôleur d'ennemis. Dans tout le paquet, c'est la seule carte qui est potentiellement un tout petit peu jouée. Okay. Et elle est trop forte. Et elle fait quoi? C'est une carte magique à deux effets, notamment un qui te dit, tu sais, c'est une carte magie rapide. Ouais. Quand ton adversaire il attaque, tu pouvais lui dire hop hop hop, passe ton monstre en mode défense s'il te plaît. Oui, c'est un bon voilà. Stop. Ouais, c'est allez, tais-toi, voilà. Donc ça serait pas mal en ultra rare. Armée de Piranha.
Alors, normalement, on est encore à la même position. Tactique de la marée humaine. C'est lui qu'on aimerait bien avoir, Moki Moki. Mais tout le seul. Petit monstre normal, ouais, tout seul, il est marrant. Oh, ah. Meilleure commune du paquet. Cette carte-là, elle te dit, s'il y a un autre monstre feu sur le terrain, tu peux attaquer que l'autre. Ah, elle peut pas se faire attaquer. Okay. Et tous les tours, ton adversaire perd 500. Le combo, t'en as deux. Donc chacune dit, bah il y a bien un autre monstre feu et tu peux pas m'attaquer. Tu peux en attaquer aucune. Et tu perds tous les jours 1000. Ah bah oui, parce que t'as mais à chaque tour, tu perds 1000. J'adore. Se faire tuer à petit feu. C'est coup. Ça. Je crois vraiment que c'est une des meilleures communes du set. Loi de la normale. Très belle illustration aussi. Hein. Bah avec le fameux Moki Moki. Ouais, c'est que des monstres normaux qu'on peut retrouver ouais. D'ailleurs. Allez, c'est moment de vérité. Est-ce qu'on va avoir une rare, une holo? Oh, oh mais une ultra direct. Mais quoi? Mais incroyable. Mais dans quel monde? La main était bonne. La main était incroyable. Mais d'où? Esprit du pharaon, premier booster. Ben voilà. Bah écoute, mais ça, c'est prometteur. Il a l'esprit du pharaon en lui. J'ai l'esprit du pharaon. Yugi voilà. Est en toi. Tu peux être en bas. Lumière attirante. Cette chatte dès le début. Elle est incroyable, hein? Elle est magnifique. Elle est sublime. Elle est vraiment très très belle. Dame vampire. Ravissant salon d'essayage. Et on termine avec. Je le trouve très stylé. Parieur de sel. On ouais. Dirait un peu un jeu de rôle, tu sais. C'est stylé quand même. Prends. J'aime beaucoup aussi. Ouais. Elle est très belle. Ouais, t'as envie de, t'as envie qu'il ait des histoires, qu'il lui arrive des aventures à ce mec-là. Carrément. Bon, bah on commence bien. Ah, c'est génial. Oh là là, le allez. Thème un peu Égypte et tout, là, on est dedans. Bon. Ah, tellement. Jinzo en direct. Ouais. En ultra. Pêcheur légendaire. Okay. Ça rappelle le dessin animé. Ouais, Buster ouais. Blader. Bête de Talwar, c'est un monstre ultra que moi j'aime bien. Enfin bon, y a, là pour le coup, il y a vraiment plein d'holo complètement folle. Sur ce. Oh, et si tu nous sors Jinzo juste après là oh. On verra bien. Moi je crois. Hein. Non, moi je crois à tout. Ça va une chance sur 48 en vrai. Hein. Bah, on a une chance sur 24 parce qu'on a deux boosters. Ah, non. C'est une chance sur 24. Non. Imitation d'insecte. J'adore. C'est tellement beau. C'est beau, hein. Ça glow up déjà. Hein. Beau. Ah, bah ça me dit tiens, carrément quelque chose. Encore une nouvelle avec 2000 de défense. Ouais. Lui, il est glauque. Ouais, ça, c'est... Bon, moi, j'aime bien ça. C'est juste derrière. Hein. Oni Tank T34. Allez, on veut voir. On veut voir un monstre à effet. Oh, c'est un piège. C'est un piège. Il y a des pièges sympas, même en rare. Qu'est-ce que tu veux? Bah, appel de lettre hantée, mais vu comment il brille, ce sera pas ça. Drainage magique, c'est une très très bonne rare en piège. Je crois que c'est même la meilleure rare hein, en piège drainage magique. Je vois pas grand-chose d'autre en rare. Franchement, belle. C'est pas mal ça. Elle est vraiment belle. Oh là là. Frère de Harpie aussi. Ça, c'est incroyable ça. Hein. Frère de Harpie qui a été renommé parce que il fait pas partie de l'archétype Harpie. Et donc maintenant, il y a des cartes qui disent oui, vous pouvez aller chercher une carte Harpie. Konami a dit ouais, mais non, lui, vous pouvez pas aller le chercher, il en fait pas partie. Donc il y a eu plein d'errata autour de lui. Non, ouais, non, okay. Il fait pas partie, les gars. Guido à trois têtes. Encaisse et frappe. Oh, la oui. Dernière qui sera Ogre d'Acier. Bah voilà, t'as le 0-1, t'as le 0-2, il manquera plus que Jinzo, le 0-0-0. Il reste un booster. C'est vrai, ça, il reste un booster. Tout est possible. Il reste un booster. Bon, le dernier. Tu fais le maître des magies. Le plus intéressant. Tout le maître des magies, genre là maintenant. Oui. Mon cœur va s'arrêter. Hein. Maître des magies, dragon, toon, aux yeux bleus. C'est vrai. Sur le 4A. Mais c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Ah bah oui. C'est le dragon toon aux yeux bleus. C'est le meilleur dragon blanc. Le renoncer. Ah oui, le fameux. Le fameux rituel. Le fameux rituel. Non, mais il y a trop de. Bref, c'est. Une... Et ça, c'est la deuxième série à être sortie, c'est ça? Ou il y a eu. Non, c'est la troisième. C'est la troisième. Ok. Il y a eu Metal Raider avant. Oui. Et vrai. Ça, c'est la quatrième. Serviteur des parents. J'ai déchiré le booster. Mais tu vois, moi, étant petit, je crois que je me suis arrêté à celle-ci. Ok. Parce que Jinzo, c'est mes derniers. C'est mes derniers souvenirs. Jinzo que je n'ai pas eu. Un petit mur du labyrinthe en commune aussi. Ça fait toujours plaisir. Putain, ça crochet de ça me parle de ouf. Hein. Danse inaugurale. Oh, les souvenirs. Gardien à salut 30, ça aussi. Hein. Oh, ça colle. Oh là là, oh, c'est une holo. Oh, c'est une holo. Ça colle. Ouais, mais attends, t'as une autre commune avant. Ah bon? Ouais, t'as forcément une commune avant. Oh, on a une holo derrière. Allez, un truc fou. Mais ça se trouve, ça collait pas, non? Ok, c'est une carte magique. Ah non, ça se trouve, ça collait pas? Non, je pense que c'est un fail qu'on a fait. Oh non. Oh non, tout mais pas ça. Mais si! Magie, mais si! Mais oui! Oh là 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 là! Extraordinaire! 3 boosters, 2 ultra. Oh là là! Oh là, mais le God M, quoi!
ça quand j'étais gosse, les decks que je me faisais avec ça, ça c'est une carte magique, tu l'équipes un monstre, tu dis il gagne 1000 d'attaque. Il gagne 1000 d'attaque. Efficace. Vraiment. Oui. J'invoque, t'as un dragon blanc aux bleus, j'invoque mon magicien sombre, je mets ça, je bats ton dragon blanc aux bleus. Beaucoup trop fort. C'est vrai que ça c'est efficace hein. Bah à l'époque c'était une des meilleures cartes d'équipement, ajouter 1000 de points d'attaque, c'est un délire. Bah tiens, elle va avec la première carte que t'as eue. Ouais, ouais là. C'est le rituel avec sa carte magie rituelle. Danse inaugure et performance de l'épée. Ok. Incroyable. Et le cimetière de mammouth. Bah tu vois, regarde, cimetière de mammouth. Ouais, il est là. Hein, il est là. Voilà, pour ceux qui ont la rêve. Voilà. Voilà, il est là. Il est là. Là c'est la première fois qu'on l'a vu en français. Et celui-là aussi. Et ben oui. Et celui-là aussi. Et oui. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et la boucle, boucle est bouclée. Bouclée. Remonte la hache. Elle est tellement belle. Allez, petit récap. Mais comment tu veux combattre ça? Jamais on va battre ça là. Laisse tomber. C'est impossible. C'est beau, c'est pas mal. Non mais attends, c'est pas mal. Comment ça, c'est pas mal? Tout le monde sur Terre a juste des rares tout le temps. L'autre, bah deux ou trois. Normal. Ah mais il reste deux boosters quand même de la team. Et la team, deux ultra. Incroyable. Incroyable. C'était quoi le quota d'habitude? Bah c'est une sur 12. Une chance sur 12 pour une ultra. Ah oui. Là on veut une ultra verte. Ouais. Carte magique. Une espèce de manette de PlayStation dessus. Bon mais c'est une ultra donc ça va être plus compliqué à choper. Bah, ça, mais là, s'il y a encore une holo dans les deux, ça fait une team de folie. Hein. Ça commence à faire beaucoup quand même. Elle est incroyable cette carte. Ouais. Ah ouais, elle est vraiment belle. Allez, au moins une petite oh super. Là, garde Nubien. C'est mais ça globe de fou. Hein. Retour de flamme. Attends, encore une. Allez, un petit Zaborg. Oh, c'est magique. Ah, dommage. Talisman de neutralisation de piège. Très belle carte quand même. Hein. Elle est très jolie. Et il y a son autre carte qui est le talisman de neutralisation de magie. Mmh. Qui est une carte piège d'ailleurs, je crois. Les deux sont inversés. Oh! C'est beau, ça, hein? Ouais, c'est très beau. Putain, c'est fou. Tu sens que vers 2004, ça prenait une autre direction, un peu plus mature, un peu plus dans les dessins. Ça, et tout. Ça se voit direct. Hein. Ouais. Carrément. Carrément, carrément. Bon, après, on est une cigale robot. J'avoue que ça. On dit ça, on est une cigale robot. C'est pas forcément le meilleur exemple. Il est là, le Jinzo. Doc, je t'en prie. Allez. Fais. Tu vas regretter si elle Moi, j'ai ouvert mes trois. Fais, fais, fais. T'es sûr? Oui. Oui. Ok. C'est-à-dire qu'il t'en restera deux encore là-bas. Oh là, je vais pas s'ouvrir. Non, ils sont un peu plus durs à ouvrir. Hein. On est. Oh là là là. On va y aller doucement. Parce que je sens qu'il y a Jinzo là-dedans. Et c'est vrai que mon oreillette que vous ne voyez pas m'a dit que l'autre Socratra est une carte qui s'appelle Ordre Impérial. Donc, une carte méta aujourd'hui. Qui est encore jeu aujourd'hui. Qui est encore jeu, qui est limitée à 1 et qui rentre dans pas mal de decks qui contre en fait d'autres decks. Donc en fait, les deux secrets nous intéressent. Jinzo pour le style. Et l'autre pour, et le, l'autre jeu. Pour le jeu. Parfait. Mais c'est tellement l'extension à ouvrir en fait. C'est l'éther du pharaon, ouais. C'est vraiment, il y a plein de bonnes cartes dedans. Ça et Metal Raider. C'est tombé, il y a un blister pas loin. Non. Ok. Giroshin Kuwagata. Invitation au sommeil des ténèbres. Il y a beaucoup de cartes pièges dans ce set. Vœux solennel. Insecte perceur. Est-ce que cette tin va être folle? C'est un peu plus sombre, non? C'est un piège sombre. C'est peut-être une super rare. Oh, mais c'est une super rare, c'est un mur miroir. Non mais cette tin, elle est complètement folle. Deux ultras, une super. Carrière. Hop. Ça franchement, les gars, je crois que c'est une des meilleures super. C'était une bonne team. Oh, la ça vous parle pas ça dans le dessin animé, il me semble. Hein. Ça me dit rien, honnêtement ça me dit rien. Bon, des gars qui mettent des murs, ça me dit quelque chose, hein, dans Yugi quand même. Hein. Jouer carte sur table, et vous voyez là le nombre de pièges. Hein. C'était vraiment une extension, on vous sort plein de pièges, mais on vous met Jinzo qui est interdit de jouer les pièges. Ça vous faites ce que vous voulez. Ouais, c'est chaud, hein. Tu payes 2000 points de vie pour diviser l'attaque par deux des monstres de ton adversaire. Chaque tour. Alors, diminuez l'attaque de tous les monstres attaquants de votre adversaire de moitié. Payez 2000 points de vie durant chacune de vos stand-by phase. Ouais. Si vous ne le faites pas, cette carte est détruite. Ouais, c'est cher. Ça fait beaucoup c'est cher, mais tu passes des gros monstres, moi. Ça peut te permettre de passer des gros monstres. Wow. Mais quel team? Quel team? Une récap de la team? Aïe, 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 aïe. Là, c'était une bonne décision de l'ouvrir, je crois. Magnifique. Ouais. C'est laquelle votre préférée? Moi, c'est l'arche. Ouais, moi aussi. Elle est trop belle. Après, le pharaon est quand même beau. Mais la hache, c'est tout de suite. La hache, ça me parle, tu vois.
Emma et H. Ça, c'est un artwork qui est altéré pour rentrer dans le TCG. La version japonaise, il y a une espèce de tête de mort, là, un mec dégueulasse de l'autre côté de l'image. La petite histoire. C'est oui, c'est ça, pour la petite histoire. Bon, faut en semer partout. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas la deuxième dinguerie du jour? Le bon Kaiba et son bon dragon blanc aux yeux bleus. Là, on passe sur le level au-dessus. Ah bah, c'est de l'anglais, quoi, donc c'est un peu plus... Vous voyez, là, elle était un petit peu abîmée. D'ailleurs, c'est par là que je vais l'ouvrir. Allez, on n'hésite plus. J'ai hésité, les gars. Ce matin, je savais pas si on l'ouvrait aujourd'hui. C'est quand même un bel outil, enfin un bel outil. C'est un bel outil. Un bel, c'est pour tuer des gens, tu peux les taper un avec. Un bon pavé. Hein. C'est un bel item de collection, n'empêche. Et on en avait parlé. C'est Brillance. Ah, c'est elle est incroyable. Elle est magnifique, incroyable. Non elle, elle est pas rouillée. Si vous pouviez voir là la caméra, enfin sans la caméra, est-ce qu'elle s'ouvre facilement? Ça c'est vraiment un très bon. Et là, on va voir le dragon blanc là. Allez, en dessous. Ok, on va pas voir le dragon blanc. On aura donc le suspense sur la carte promo. Mais déjà, on peut vous dire que on a un booster, légende du dragon blanc aux yeux bleus, en anglais. Bon, il n'est pas en première édition, mais ce n'est pas une réimpression. Ça, c'est bien un booster qui date de 2002-2003, dans ces eaux-là. Ça, je peux vous dire que c'est rare. On a un Metal Raider, qui est donc la deuxième extension à être sortie. Ça, c'est incroyable. Et ça, je me le réserve. Parce que là, il y a des folies là-dedans. Le fameux Magic Ruler, avant que ça soit renommé Spell Ruler. Eh oui! Et oui. Parce que, pour la petite histoire, avant ça s'appelait Magic Ruler, il y a eu un problème avec le jeu de cartes Magic, ça a été renommé Spell Ruler. Donc là-dedans, il y aura des cartes dont l'extension est MRL et pas SRL. Et ça, c'est toi qui veux l'ouvrir. Conservateur du Pharaon aussi. Oui. Pour ta deuxième chance de Jinzo. Et alors, le labyrinthe des cauchemars. Je n'ai jamais ouvert un booster comme ça. C'est un des boosters les plus rares en français. Ok. En boîte, en display, ce que vous voulez. J'ai jamais ouvert ce truc-là. C'est une dinguerie. Donc là, c'est même moi, c'est ces deux-là. Ah ouais. Moi, c'est ces deux-là. Ça, j'en ai déjà ouvert plein, en français et tout, jamais en anglais. Mais alors ça, dans n'importe quelle langue, j'en ai jamais ouvert. Ah, c'est pas n'importe quelle vidéo, en fait. Ah ouais, ouais, là, ça... Et alors, derrière, il y a le dragon blanc aux yeux bleus. La promo de la Tin Box. Qui est notée comment? Qui est notée que si elle est bien, on est très riche. Ok. Bon, je sais pas encore si je vais l'envoyer tout de suite, la faire grade aux États-Unis. Déjà, faut qu'elle soit en bon état. Faut pas trop qu'elle soit rayée, quoi. Parce qu'il les protégeait pas dans des plastiques avant. Ah, elle est sublimissime. Ah ouais, elle est incroyable en fait. Elle est magnifique. Mais je crois que je vais la retourner en fait, non, c'est plus simple. Hein. Ouais, dans la main. Alors bon, le dos est pas très propre, mais d'après Romain, ça se nettoie. Parce que là, on s'est rendu compte que les coins, et c'est d'habitude les coins là, vous imaginez, hein, quand ça tape là-dedans, là, les coins ils sont très très propres. Et alors, ce qu'on appelle le centering, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, le centering? Le centrage, c'est l'écart. Qu'il y a, c'est la propension entre l'écart de gauche et l'écart de droite et l'écart du haut vis-à-vis de l'écart du bas. C'est-à-dire qu'en gros, là, si j'ai 50% de ce côté, je dois avoir 50% de l'autre. Ce qu'on appelle un centrage 50-50, donc parfait. Et là, il a l'air très très bien. Et ça, c'est une partie importante quand on fait noter sa carte. Je pense, si ça vous va, les gars, moi je vous la laisse. On voit un jour, si vous en envoyez et tout, et on voit combien elle a, quelle note elle a. En tout cas, si ça vous intéresse tout ça, de parler de grading de cartes, de qualité, vraiment de rentrer dans de la collection pure, vraiment allez voir leur chaîne, ils sont très très bons là-dessus. Et je pense même qu'un jour, on pourra même se refaire une vidéo, peut-être chill, sans ouverture et tout, parler vraiment, rentrer dans le cœur, dans la technique. Si vous avez des questions de collection, vous démarrez, vous êtes bon, vous, quoi que ce soit, dans n'importe quel TCG, posez-les en commentaire. Et puis pourquoi pas, je vous promets rien, peut-être qu'un jour on se refait une vidéo et tout, on peut peut-être répondre à des questions techniques et tout, une FAQ un peu collection. Ça peut être sympa à faire. Ah, c'est ça. Ouais. Yugi Poké Magic, ouais, il y a tout. Bah, c'est ça. Hein. Mais moi, je m'intéresse un peu plus sur le hall de Yugi. Là, je découvre des jolies choses. Ouais. Mais toi, tu vas creuser un peu là. J'avais déjà creusé il y a quelques années sur les LOB, sur des grosses cartes. Mais là, tu me conseilles de commencer par lequel? Parce qu'il y a des trucs fous dans les deux. Qu'est-ce que tu préférerais dans l'absolu ouvrir? Un Jinzo ou un Dragon Toon aux yeux bleus? Tu préfères ton père ou ta mère? Exactement. Vas-y, je vais commencer par le Toon. Allez. Et je t'ouvre Jinzo dans la Si tu peux m'ouvrir les deux, moi ça m'arrange. Hein. Je t'avoue que peut-être que je vous laisserai plus d'une carte pour aller grade du coup. Ah, ça s'ouvre bien aussi. Ce petit labyrinthe du cauchemar là. C'est déjà une carte que je surkiffe, les gars. Oh. Ah oui, ça c'est beau ça. Oh, Ryoran. Ça c'est une carte que je surkiffe. Sa version Toon qui existe en rare, donc peut-être que tu l'auras. Péage. Ouais. je suis plein d'émotions là. C'est maintenant. Allez. C'est un monstre.
La couleur est différente. Il a quand même une... Je suis pas sûr. Il a quand même une toute petite attaque. Hein. C'est le Scout, Hero Shadow Scout. Bon. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est pas dingo, soyons honnêtes. Vaut mieux qu'on tire des choses pas cool là. Ah oui. Et sur la fin. Et sur la fin, ah oui, on est bien d'accord. Ah ouais, je suis là, un petit gardien de la porte là, ça peut être pas mal aussi. Il y a des trucs fous là. Et tu vois, des MRL, j'en ai rarement vu. C'est vraiment un prince qui n'est pas resté très longtemps. Avant qu'il change là, en spell ruler. Ça, c'est magnifique ça. Ouais, ça fait partie du dessin animé quand il joue contre les frères Paradox. C'est ça, contre les frères Paradox où il y a le labyrinthe, il me semble. Je suis sans voix. Bon, c'est pas grave, il y a le Jinzo qui arrive. Ouais, et puis il y a un magicien ou il y a un dragon blanc. Oui. Il n'y a que partie remise. Oui. Petit dragon blanc. Oh là. S'il y a une holo à choper là parmi ces quatre, ça reste le dragon blanc. Ah oui. Toon. C'est trop tard. Il n'y a plus de chance. Non. Ou alors vraiment il est buggé et c'est historique. Et tu nous sors un dragon Toon là-dedans, c'est historique. C'est ce que j'aime avec les TCG, tu sais. Ou alors ça sort la colle. Ouais, c'est ça. On a toujours des surprises. Oh, mais ça, mais mec. Pareil, ça me parle de fou, ça. Hein. Overdrive. Les vœux solennels. Exactement. Oh, je l'adorais, elle. Avec ses 2750. C'est magnifique. Le temps de l'aile. Temps de l'aile. Je sais plus comment elle s'appelle, elle. Tandem. C'est pas chasseresse de quelque chose. Je sais plus du tout comment elle s'appelle. C'est derrière, non? Non, il y en a encore une. Ok. C'est beau aussi. C'est beau. Sauf que quand tu fais ça, tu caches toute la carte. Ah oui, c'est vrai. Faut le faire par contre. C'est vrai, ouais. Bah oui, c'est vrai. Avec ma position, c'est pas possible. Light Force Sword. Il est décalé en plus. Là, ouais. C'est un poil misprint. Mais cette carte est folle. Enfin, en tant qu'illustration pure, elle est magnifique. Celle-là, oui. Ouais, elle est belle. Hein. Ouais. J'aime beaucoup quand il y a des cartes dans les cartes. Tu vois ce que je veux dire? Des images de cartes dans les cartes. Je trouve ça trop beau. Ça va avec Umi. Ah oui. Pardon, c'est bugué. Ouais, c'est un Ténia, quoi. Ouais, hein. Ça m'a l'air. Avec un doigt. C'est vraiment doigt. Lui, on l'a eu tout à l'heure. On l'a eu tout à l'heure. Et lui aussi. Il y a vraiment. Dans les deux boîtes, il y a les mêmes communes. On reconnaît. Je sais pas par quoi commencer. Ah bah pique-nique douille. Je sais pas par quoi commencer. On sait qu'on finit par ça. Oui. Maintenant, ça, j'en ai jamais ouvert, donc c'est. Je suis trop content. Et puis ça, c'est incroyable. Et ça, il y a des trucs fous. Comment elle s'appelle la bête derrière lui là d'ailleurs? Le crâne invoqué. Oui, c'est ça. Putain. Le crâne invoqué. On peut avoir le crâne invoqué, on peut avoir le dragon crâne noir, on peut avoir le gardien de la porte, on peut avoir force de miroir. Jugement solennel, il y a des folies dans Metal Raider. Ça me parle beaucoup. Une toute première ouverture pour toi. Ah, ouais. Ah, c'est incroyable. Et cette vidéo, c'est un truc de fou. Je pense que ça va pas se reproduire souvent, ça. Ça, c'est un pack que tu ne peux qu'avoir de cette époque. Et en français, je peux te dire que c'est plusieurs centaines d'euros un seul, donc je vais pas en ouvrir souvent. Du coup, je vais bien l'ouvrir, je vais le garder. Mais je raconte des bêtises, j'ai déjà ouvert un de ces boosters là, ça veut dire. Non mais attendez, faut que je vous raconte un truc de fou. Hein. Je suis désolé, la vidéo est un peu longue. Les tout premiers paquets que j'ai ouverts, c'est mes parents qui me les ont ramenés des États-Unis. La toute première carte que j'ai eue, c'est une commune de ça. Ça s'appelle Lady Panther. Je n'avais pas eu cette odeur depuis mes 9-10 ans. Ah, c'est une odeur différente de tout à l'heure. Ah ouais? Mais non. Je te jure, ça sent pas la même chose. C'est vrai. Ça a une autre odeur. Ça sent le carton ou le plastique? Ça. Ni l'un ni l'autre. Je sais pas. C'est pas ça du sent tout un peu le carton. Ça sent plus le carton. Ouais. Alors que là, c'est vraiment le plastique. Et je te jure, j'associe ça, moi, dans ma tête, je sais que c'est des cartes anglaises. Si tu me faisais un blind test, je peux te dire si c'est une carte française ou anglaise. Faut faire ça. Ouais, mais faut qu'elle vienne de sortir d'un booster et tout, tu vois. Mais après, ça s'évente. Ah oui, ça se met. Oh, mais j'ai eu un shot de nostalgie en pleine vidéo, je suis désolé. Mais Madeleine, wow. Mais c'est pour ça qu'on aime bien les cartes. Hein. Trop bien. C'est que ça ramène des souvenirs, ça ramène des histoires. Mais surtout, j'étais persuadé de jamais en avoir ouvert alors. Alors que si. Bah si tu dis que la première carte que t'as dans ta mémoire, c'est Dame Panthère, Lady Panthère. Lady Panthère, ouais, Dame Panthère qui est vraiment la pire carte de l'histoire. Hein. Vraiment, elle est naze, mais totale. Hein. Ok, Rock Spirit. D'ailleurs, si on peut avoir une Lady Panthère là, je crois que je suis encore plus content qu'une holo. Yes, il est. Flame Dancer. Allez, on veut un monstre. Oh, c'est stylé ça. Hein. T'aimes bien? Ouais. Par contre, elle a pas de nez, moi, ça me stresse toujours. J'ai l'impression que c'est une espèce de poupée maléfique. J'aime bien, ça fait très old school RPG, tu sais. Ça colle? Mais non, mais.
surtout qu'il n'y a que 3 cartes là. On est d'accord que c'est les plus foncées, non? Non? Tout va bien. Ouais, non, ça va, c'est encore une commune. Ça, ça me parle aussi, hein, cette carte. Oh, si, ça c'est bien, ça fait partie du dessin animé. J'aime briser. Oui, oui, oui. Je suis trop. Contre Slifer. Ouais. Magnifique. C'est comme ça qu'il passe Slifer. Ah, oh, mais 700, je vous jure, vous allez pas me croire, vraiment. Là, je m'en fous en fait s'il y a des holos ou pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui. C'est un plus, évidemment, hein, bien sûr. Mais je ressens des émotions de dingue. Ça m'a rarement fait ça. Oh, c'est pas d'Ascend Monster. Beidol et la dernière. C'est moi ou là, les coins, ils sont vraiment carrés. Ah, ils sont ouais, carrés, carrés. Carré, hein. The Forgiving Maiden. Bon, écoutez, on n'aura pas eu la Lady Panther. Mais une bonne dose de kiff. Ah ouais, là, vraiment, là. Pour le coup, wow, c'est dingo. Je sais pas si les autres boosters vont faire la même chose. On a dit Metal Raider. Vas-y. Je vous ai déjà fait la liste de tout ce qu'on peut choper, d'accord? De toute façon, vous m'entendrez crier, les gars. C'est vraiment un des meilleurs boosters, je trouve. En termes de nostalgie et tout. Et on en trouve facilement encore des boosters Metal Raider? Moi, j'en ai pas dans ma collection, booster Metal Raider. Tu viens d'en ouvrir. Ah. Oupsi. Je te laisse prononcer. Grund Attacker Burgrot. Je prends pas la responsabilité. Je prends. Le roi de Yamimakai. C'est mieux. Quoi. Léo Gun. Mmh. Ça, c'est, beau, c'est beau. Ouais, c'est beau ça. Oh, mais mec, cette carte, elle me parle tellement, mais oui. Bon. C'est derrière. C'est maintenant. Bonjour. C'est un monstre. Ah, 550. Ouais. C'est pas bon. On a le Starboy. On a vraiment une carte ridicule. Elle est vraiment dégueulasse. C'est terrible. On vous a cité 12 cartes extraordinaires de l'histoire de Yu-Gi-Oh! Et on a une étoile de mer. Attends, je suis désolé, mais là, t'as pas eu d'ultra, t'as rien eu. Ouais, y'a vraiment rien du tout. Ça veut dire que dans le dernier, t'as forcément quelque chose. Statistiquement parlant, t'as forcément quelque chose. Ouais, mais est-ce que les statistiques fonctionnent dans les tin box? Je sais pas, mais... Une tin box avec rien serait quand même le gros fail. Hein. Ah, ce serait le bon somme, ouais, quand même. Ouais, tu vas avoir la lourdeur derrière. Elle est belle, celle-là. Elle est très très belle. Ça me fait penser à un conte, la petite fille aux allumettes. Tiens. Ah, bah tiens, ça c'est la carte préférée de Ruxim. Ruxim 34. C'est vrai. Le petit mouth. Le lézard avec armure. Sauf que vraiment, il a pas d'armure, c'est sa peau en fait. C'est sa peau. Le lézard en armure, c'est ça? Et lui, il a bien bouffé. Aussi, ouais. Bon, écoutez, est-ce qu'on ferait pas des dingueries directement dans le dernier booster? Bah, moi, j'ai envie de te dire oui. Hein. Est-ce que on n'aurait pas un deuxième dragon blanc aux yeux bleus dans cette teambox? Tu ne peux pas rien avoir. Ça me paraît. À ça, là? Ça me paraît. Bah, j'en sais rien, mais. Écoute, ça me paraît très bien. On a fait des offrandes. Il y a eu un Starboy. Il y a eu. C'est vraiment. On a vraiment deux cartes. Vraiment, on a les cyclopes, quoi. Voilà. Donc là, on veut un truc bien. Je peux pas faire pire. N'importe quel holo, je suis content. Mais bien sûr, bien sûr. En vrai, même n'importe quel rare. C'est juste tellement bien d'ouvrir du LOB. J'ai jamais ouvert de LOB. Hein. Enfin, en anglais, quoi. Putain, mais c'est la team de toutes les premières. Hein. Bah, tu sais, des vieux boosters comme ça. Après, les gars, moi, j'ai une confession à vous faire. Cette team-là, j'ai la même à la maison en magicien sombre. Est-ce que c'est une proposition? J'ai la même en magicien sombre. J'ai peut-être également la même en Joey, parce que là c'est Kaiba, Yugi c'est le magicien sombre, ouais. Et il y a Joey qui a le. Je crois que c'est le dragon crâne noir. La dernière PSA 10 de dragon crâne noir s'est vendue 3000 euros. Ah oui, d'accord. En promo du coup, en la promo de Latine. D'accord, très voilà, bien. Voilà, moi je dis ça, je veux dire j'en ai deux autres. C'est. Bon, si elles sont aussi rentables que celles-ci, j'ai pas forcément envie de les ouvrir. Mais statistiquement. Statistiquement, sur 3 tin box, on peut pas avoir que des rares. Non, je pense pas. Après, tu n'as pas ouvert ton. Et c'est les mêmes extensions du coup qui se retrouvent dans les trois. Je crois que okay. C'est les mêmes. J'arrive pas à le sortir tout à l'heure. Je parle depuis tout à l'heure, mais. Oh là. Je veux même pas me spoil. Je veux rien voir sur les côtés. Je veux rien. Tu voir. Vois on rien du pas. Tout. Tu vois rien du tout. Ne triche pas. Mais est-ce que tu te sens bien? Non, je ne sens pas bien. Yugi-Man n'est pas là. Ça va bien se passer. L'âme des cartes est en Dissolve tour. Rock. Et ça, on l'a eu ça? Désert. Ouais. Dans notre ouverture, je suis pas sûr. Je sais pas.
Ah, la fameuse larve. On connaît ça. C'est des cartes qui me parlent. C'est bon, cette carte. Mon bon insecte élémentaire. Est-ce que... C'est derrière. Tu pourrais pas nous cacher un truc fou. S'il te plaît. C'est derrière l'insecte que se trouve... J'ai envie d'y aller d'un coup. Ouais. Vas-y. Parce qu'on va être déçus si la couleur n'est pas la même et tout. Vas-y. Oh, mais oui! En vrai, c'est bien! En vrai, c'est vraiment la seule rare que je voulais! En vrai, c'est quand même vachement bien! Ouais! Y'a pas. Y'a pas de l'eau. C'est quoi ces teams? Oui, bon, alors. Statistiquement parlant, c'est la loose. Mais. Quitte à avoir une rare, autant avoir celle-ci, bien sûr. Quitte à avoir une rare, autant piocher deux. Ouais, clairement. Autant piocher deux. Tout à fait. Le guerrier 1. La montagne. Attends, on aurait eu deux terrains alors qu'on en a pas eu beaucoup là. Ouais. Avant. Et la lune ? On l'a pas eu la lune ? Que nous n'avons pas eu du tout. C'est une short print. C'est une équipe. C'est un équipement. La théorie se valide. Le roi des abysses. Ah là là ! Et je suis partagé. La première team était folle. Donc déjà, on est content. Donc déjà. La deuxième était naze, mais pleine d'émotions. Et ça, je pensais pas vivre ça avant de tourner la vidéo. Honnêtement. C'est pas pour rattraper ou quoi. Non, vraiment. Je pensais pas être à ce point marqué par ça. Mais c'est pour ça qu'on aime ouvrir des vieux trucs, c'est parce que bah, ça nous rappelle tellement de souvenirs, même si on se fait laminer à chaque fois, tu vois. Tu fais pas ça pour la rentabilité, tu fais ça parce que... Pour redécouvrir des cartes. Tu veux revoir les trucs de ton enfance, tu vois, tu veux ressentir les trucs, je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. Écoutez, passez dans mon studio cette fois-ci. Ah oui. Et on l'ouvrira ce mois. Avec grand plaisir. Bon bah messieurs, merci beaucoup pour ça. On va faire un peu de rangement et puis on va se taper dessus à coup de carte maintenant, je crois. Mais on va couper avant, vous inquiétez pas. Bien sûr. N'hésitez surtout pas, allez découvrir ces messieurs. Ils font du contenu de dingue et puis nous, on se retrouve à la prochaine. Hein. Voilà, tout simplement. Vous avez un dernier truc à dire ? T'as une outro particulière pour leur dire au revoir ? Non, c'est toujours très malaisant. D'accord. Là par exemple, je peux couper juste après avoir dit ça.